ce temps pascal, nous attendons notre secours, nous mettons notre espérance dans Dieu l'Éternel qui a fait le ciel et la terre et qui a ressuscité son Fils d'entre les morts. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Soyez tous et toutes les bienvenus. Nous continuons ce culte par le psaume 16. D'abord, nous écoutons le jeu d'orgue et puis les strophes nous seront lues. Et ce psaume reviendra dans les lectures bibliques et dans la prédication aussi. Seigneur, j'y mets mon espérance. Je ne connais sur la terre où je vis plus grand bonheur que d'être en ta présence. Et ces faux dieux que partout l'on adore, ces dieux de sang, mon âme les aborde. Béni sois-tu, vigilant conseiller, même la nuit mon cœur inquiet t'appelle. Tu viens, Seigneur, ordonner mes pensées, tu fais briller une clarté nouvelle, alors mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose et plus rien ne l'oppresse. Tu ne veux pas que, livré à la mort, ton bien-aimé demeure sous la terre. Tu ouvriras de tes mains, ô Dieu fort, pour tes élus un chemin de lumière. Ils connaîtront cette joie éternelle que ta présence à jamais renouvelle. Prions. Dieu, c'est en toi que nous voulons mettre notre confiance, comme le psaume le dit. C'est dans la trace de ces vieux psaumes que nous voulons te chercher, que nous voulons vivre notre existence.
Nous t'admettons que souvent nous ne vivons pas à la hauteur de cette intention, mais nous revenons à toi dans la prière, dans les moments de silence et de méditation, dans les cultes, pour retrouver cette communion avec toi, pour retrouver cette assurance, cette joie, ce principe de vie. Pardonne-nous notre manque d'attention à ta voix, à ta volonté, à ta grâce, et veuille nous rétablir dans cet état de grâce auquel tu nous as destinés. Veuille nourrir notre foi et notre motivation de suivre ton Fils, le Christ ressuscité, et de prendre au sérieux tout ce qu'il nous apprend à travers sa mort et sa résurrection. Sois avec nous dans ce culte, où que nous soyons, chez nous ou dans l'Église, et veuille nous conduire et fortifier par ton Esprit Saint que nous attendons. Au nom de notre ami et sauveur, Jésus-Christ. Amen. La première lecture biblique, c'est le psaume 16, un hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. La deuxième lecture biblique, c'est l'évangile de Luc, chapitre 24, à partir de verset 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur offrit l'intelligence
afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'en ferai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous poursuivons par le cantique 207, d'abord la musique et puis les paroles. Réjouissons-nous en ce jour. Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. C'est pour l'éternité que Jésus a triomphé. Célébrons le Père et le Fils dans l'unité de l'Esprit. Réjouissons-nous en ce jour. Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. Chers amis, frères et sœurs, la plupart d'entre vous n'ignorent pas que depuis l'été de 2020, je prêche le plus souvent possible sur l'Ancien Testament pour montrer que c'est là où se trouve la base de la foi chrétienne.
Notre intuition nous dirait plutôt que cette base se trouve dans le Nouveau Testament, dans les témoignages portant sur Jésus-Christ. Et bien sûr, pour les chrétiens, le Nouveau Testament occupe une place centrale et indispensable. Mais si nous lisions le Nouveau Testament sans connaître et sans comprendre l'arrière-fond israélite, nous risquerions d'en retenir un message limité, affaibli et simpliste. Et c'est à cause d'un manque de culture biblique dans notre société, et surtout à cause de la méconnaissance de l'Ancien Testament, que je me suis investi dans cette série de prédications sur ces livres sacrés issus du peuple israélite. Peut-être vous pensez que dans ce temps pascal, dont les 7 semaines jusqu'à Pentecôte, il doit être assez difficile de prêcher sur l'Ancien Testament. Car ne faudrait-il pas ce temps-ci prêter attention au récit de la résurrection de Jésus et de ses apparitions à ses disciples et à ses entretiens d'adieu avant l'ascension? Vous auriez raison. Et c'est pourquoi nous avons lu un passage de l'évangile de Luc portant sur l'une de ces apparitions du Seigneur ressuscité. Ce récit peut confirmer et nourrir notre foi, mais j'avoue qu'il peut nous mettre dans l'embarras aussi. Et pour cette raison, je le commenterai brièvement. D'un côté, Jésus leur apparaît comme un ange du ciel. Tout d'un coup, il est au milieu de ses disciples, sans frapper à la porte et sans entrer par la porte. C'est pourquoi les disciples croyaient voir un esprit, un fantôme. De l'autre côté, cette apparition qui représente Jésus fait preuve de sa corporalité physique puisqu'il mange un morceau de poisson et, selon un certain nombre de manuscrits de l'Évangile, un peu de miel. Cela nous dépasse. Comment est-ce possible? Mais je préfère respecter le témoignage du Christ ressuscité au lieu de vous dire que, évidemment, c'est un récit inventé pour faire croire les fidèles simples à la résurrection réelle de Jésus. Car si nous disions que tout cela relève de la pieuse fantaisie de l'évangéliste, à mon avis, l'Église perdrait son message central. C'est celui du mystère de Dieu et du Christ vivant qui nous accompagne et qui nous interpelle même après sa mort. Ce message raconte sa victoire sur la mort, son pardon des péchés grâce à sa mort et à sa résurrection. Et si nous disions qu'en réalité c'est un récit fort, mais pas vraiment plus que ça, nous perdrions l'essentiel du mystère, de ce qui nous échappe et de ce à quoi nous pouvons nous confier dans la vie et dans la mort. Je ne veux pas prétendre tout comprendre, tout savoir. Il faut laisser place à l'incompréhensible pour recevoir la foi, la confiance. Voilà, c'est un petit commentaire sur l'Évangile, sur le Nouveau Testament, malgré mon intention de prêcher sur l'Ancien Testament. Mais je répète, n'est-ce pas compliqué de prêcher sur l'Ancien Testament dans ce temps pascal? Et je vous assure, non, ce n'est pas compliqué du tout. Car si nous suivons encore une fois notre lecture de l'Évangile de Luc, nous apprenons que le Christ ressuscité explique que tout ce qui s'est accompli ces jours de Pâques, y compris sa crucifixion, se trouve déjà dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Et peut-être vous savez que dans le récit précédent, dans l'évangile de Luc, le Christ ressuscité a dit la même chose aux deux disciples en route vers Emmaüs. Ces hommes étaient déçus à cause de la mort de Jésus, mais lui, il se joint à eux, et à partir des livres de Moïse et des prophètes et des autres écritures, les psaumes, il leur expliquait ce qui le concernait. L'évangéliste n'explique pas quel passage de l'Ancien Testament Jésus a cité, mais il raconte que, d'après ses deux disciples, leur cœur brûlait en eux lorsque leur compagnon de route leur expliquait les Écritures. C'était une révélation de lire l'Ancien Testament dans ce sens. Et dans son apparition suivante, celle de notre lecture d'aujourd'hui, Jésus explique de nouveau comment les événements des derniers jours s'accordent avec les Écritures, sans qu'elles soient citées explicitement. De quel texte s'agissait-il? Dans son deuxième livre, celui des Actes des Apôtres, Luc soulève un coin du voile dans son récit de la Pentecôte. Il raconte que ce 50e jour après Pâques, les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit et qu'à cause du tumulte, l'apôtre Pierre a expliqué ce qui était arrivé. Et très vite, sa prédication porte sur Jésus de Nazareth. Alors, il cite le psaume 16 comme une prophétie de sa résurrection. Et plus tard, en acte 13, c'est l'apôtre Paul qui se réfère au même psaume dans le même sens. Cela montre que pour les premiers chrétiens, ce psaume 16 était lu comme un témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Au jour de la Pentecôte, Pierre explique qu'il faut même aller plus loin. En fait, il lisait ce psaume non seulement comme une prière et une prophétie du roi David, mais en plus comme une prière de Jésus lui-même. Relisons les versets que Pierre cite ce jour de la Pentecôte et que sans doute les autres disciples avaient déjà lu avec lui ces jours pascaux. Et imaginons-nous, en plus, que Jésus aussi a prié ces paroles durant sa vie, durant sa passion, pour supporter l'humiliation et pour garder l'espoir. Je vais les lire encore. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Quelle est la portée de ce psaume de David, ou attribué à David, dans la bouche et dans l'esprit de Jésus? Jésus a pu y trouver l'assurance de la proximité de son Père céleste, qui était à sa droite, à côté de lui. Il savait que, malgré sa souffrance et sa mort, son corps reposerait en sécurité, cela se réfère ici à l'enterrement, et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition, car Dieu, son Père, devait le ressusciter. Et c'est le message d'un grand nombre de psaumes de l'Ancien Testament. Dieu, l'Éternel, reste fidèle
à celui et à celle qui se confie à lui. Dieu est fidèle aussi face à la mort et à travers la mort. D'ailleurs, j'ai l'impression que David a voulu exprimer sa confiance en Dieu pour cette vie-ci. S'il dit « Même mon corps reposera en sécurité », il a voulu dire qu'il trouverait un lieu sûr pour se reposer, pour passer la nuit. Il était sûr que Dieu ne veut pas abandonner son âme au séjour des morts, c'est-à-dire qu'il ne mourrait pas et que son corps ne serait pas encore voué à la décomposition. Mais Jésus et les premiers chrétiens ont lu encore autre chose dans ce psaume. Ils ont compris que même dans la mort, Dieu reste fidèle et que cela est vrai pour Jésus aussi. Selon les autres évangiles, Jésus aurait exclamé avant sa mort « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais selon l'évangile de Luc, il a dit, en citant un autre psaume, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est par le verset sur la décomposition que Dieu ne permettra pas que Jésus a pu exprimer son espérance et son assurance de sa résurrection. Et si des représentants de la culture populaire montrent leur mépris pour l'Ancien Testament, probablement ils ne le connaissent que superficiellement. En tout cas, ils ne savent rien de sa spiritualité d'espérance qui a toujours nourri la spiritualité juive et celle de Jésus et la spiritualité chrétienne. Si Jésus a surmonté et vaincu la mort, s'il est ressuscité, son ministère continue et son message se répandra, comme il dit dans notre lecture, que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et en plus, il dit que l'Esprit d'en haut revêtira ses disciples pour rendre ce témoignage. Si Jésus est ressuscité, il peut toujours nous guider à travers la vie et à la fin, la mort ne devrait plus nous effrayer. Lisons le psaume 16 appliqué à nous-mêmes. Tout cela, c'est un message rassurant. Il nous rend décontractés. Ce témoignage est toujours d'actualité vu le désarroi et la confusion et le malaise que nous pouvons voir autour de nous et sentir parfois en nous-mêmes, que le Christ vivant s'adresse à nous aussi et à tous ceux qui nous entourent et que nous soyons prêts à être ses témoins. Amen.
rendons grâce et prions. Nous te remercions, Dieu, de la confiance et de la force dont tu veux nous inspirer. La confiance en toi, la force pour vivre et pour supporter et attaquer les difficultés qui se présentent, et la confiance dans la vie, l'assurance et l'équilibre grâce à toi, grâce au Christ ressuscité. Et si cette confiance nous manque, si elle nous échappe, nous te prions, fortifie-nous, entoure-nous de ton amour, montre-nous le chemin à suivre. Nous te prions pour notre pays, où il y a l'impatience à cause de toutes les restrictions, où il y a une grande méfiance dans la politique, car souvent le gouvernement se méfie des citoyens, et nous, les citoyens, nous nous méfions de ceux qui nous gouvernent. Et de plus, il y a tellement de gens qui n'ont jamais connu la stabilité qui se trouve en toi et en tout ce que ton Fils Jésus-Christ nous a appris. Nous te disons notre inquiétude et nous te prions. Viens à l'aide de tous les gens de bonne volonté qui aspirent à une société juste et responsable, sans que nous fermions les yeux à l'injustice et à la pollution et à l'anéantissement du monde que tu nous as confié. Aie pitié de nous, Dieu, car souvent nous ne vivons pas dans l'écoute de tes bons commandements. Inspire-nous de cette obéissance qui est bienfaisante. Nous te prions pour les malades parmi nous et dans notre entourage, pour ceux qui ont été hospitalisés, et pour ceux qui souffrent des conséquences de leur maladie, de l'infection, et pour ceux qui soignent les malades et qui les visitent, qui viennent à leur aide, et pour ceux qui essayent d'endiguer la pandémie. Sois à côté d'eux, inspire-les, inspire-nous tous de ton amour. Nous te prions pour les jeunes, pour les enfants, qu'ils puissent s'épanouir malgré les restrictions de nos jours et qu'ils s'ouvrent à ta présence, à ton royaume par lequel tu veux être présent parmi nous. Prions aussi en silence. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il y a quelques annonces. Dans 3 semaines, pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, à la fête de Pentecôte, il y a de nouveau un culte de notre communauté, et c'est moi encore qui devrais le présider. Et puis, il y a la collecte. Vous trouvez les renseignements
soit sur la liturgie, soit auprès de la vidéo sur YouTube. Et nous concluons ce culte, presque, par le cantique 241, d'abord le jeu d'orgue et puis les strophes. Tristesse, que ton pardon nous entraîne à la fête, que l'ombre même annonce ta clarté. Nous deviendrons ta création nouvelle et nous vivrons de la vraie liberté. Ô Jésus-Christ, Seigneur de vérité, rétablis-nous au cœur de ton alliance et notre vie, toute notre existence, saura porter ton nom dans l'univers. Nous deviendrons ta création nouvelle et nous vivrons de la vraie liberté. Ô Jésus-Christ, Seigneur de l'unité, viens rassembler ton peuple sur la terre et que par lui le monde te connaisse, toi l'envoyé de l'amour du vrai Dieu. Nous deviendrons ta création nouvelle et nous vivrons de la vraie liberté. Et pour finir, nous recevons la bénédiction. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.